Science qui a démarré sous les auspices de notre Seigneur et nous sommes midi chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un bon appétit, mesdames et messieurs, si vous êtes à table. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin, depuis le Tchad, depuis le Cameroun, depuis le Burkina Faso. Merci de nous suivre un peu de partout dans le monde entier. Alors au menu de ce magazine aujourd'hui, on sera avec notre consultant de ce jour, le prophète Paul Israël. Il sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique que nous aimons tant. Rectificatif dans cette rubrique, eh bien, on vous donne quelques astuces, hein, quelques conseils pour que vous changiez de comportement et sur en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, nous donnons la parole à tous nos annonceurs de la DCM afin d'annoncer leurs différents événements. Restons en bonne compagnie de ce clip musical. À tout de suite avec la suite de notre programme. Jésus, oh oui, anti-nouveau.
êtes très bien installés, je l'espère. Alors, comme je l'ai dit tantôt, hein, notre consultant de ce jour, c'est le prophète Paul Israël. Il vient pour nous donner des astuces pour que nous changions de comportement. Comme vous le savez, nous sommes des enfants, nous sommes la lumière de ce monde. Et pour être la lumière de ce monde, il faut que notre comportement reflète la lumière également. Pour commencer cette rubrique, nous allons d'abord parler de l'émission que Beni TV a bien voulu organisé pour vous, et cette émission se nomme La Gamme du Samedi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une émission de variété avec Just a Blessing. L'enregistrement de cette émission se fera le samedi 30 mars, ici même, dans les locaux de Beni TV à la Riviera Bonnema à Abidjan. Vous êtes tous et toutes invités à prendre part à cette émission. Vous aurez de plus amples informations sur cette émission dans d'autres émissions à venir. Nous allons partir maintenant avec notre consultant de ce jour, c'est le prophète Paul Israël. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important pour nous les chrétiens et pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, parce que il faut que nous déteignions sur eux pour que le monde change. D'accord. Alors, le thème de ce jour, c'est quoi? En fait, c'est pas un thème qui est nouveau. Nous l'avions abordé depuis, je crois, 2 semaines déjà. D'accord. Et le thème, c'est Dieu m'a appelé. Oui, exactement. Si tu as bonne mémoire, tu peux te souvenir de ce thème-là. Oui, nous avions parlé de cela. Aujourd'hui, nous allons progresser. Le but de ce thème-là, c'était d'éclairer quelqu'un sur le ministère. D'accord. Mais aujourd'hui, nous allons marquer, je pourrais dire, un arrêt dans le but de parler de quelque chose. Parce que cela s'impose, vu l'importance du thème que nous avions touché. Et ce dont nous allons parler, c'est comment reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Puisque tout le monde se plaît à dire « Dieu m'a appelé ». Si Dieu n'a pas appelé tout le monde et que d'aucuns se sont fait appeler, cela sous-entend qu'il y a des ministères qui sont authentiques, il y a des ministères qui ne le sont pas. Et dans cet étau, malheureusement, il y a plusieurs qui sont pris et suite à des déceptions, ils viennent à se résoudre en disant « Bon, je ne veux plus à l'église ». Parce que simplement, ils ont été victimes d'un ministère qui n'est pas de Dieu. Voilà. Or, il ne faudrait pas que cela arrive. Mais pour ne pas que cela arrive, il faut que quelqu'un soit éclairé. Pour que dorénavant, cette personne prenne les dispositions idoines lorsqu'elle est en face d'un ministère ou de quelqu'un qui se dit « je suis serviteur de Dieu » ou « je suis servant de Dieu » afin que cette personne ne soit pas victime des mêmes choses. Voilà. Donc, comment reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Dans le livre de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 41, il est écrit ceci. « Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun miracle. » Excusez-moi, « Jean n'a fait aucun miracle. » Mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Les miracles et les signes sont de bonnes choses qui attestent de l'authenticité de ce que Dieu a envoyé quelqu'un. Car la Bible dit, Christ a été démontré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais vous remarquerez dans les écrits que dans les propos de Christ, il ne manquait de souligner ceci, que tout ce qu'il disait n'était pas de lui, mais était du Père. Donc si l'on veut regarder aux miracles, aux prodiges, pour attester qu'un ministère de Dieu, on va dans le décor. Non seulement les signes et les miracles, mais ce qu'on dit de Jésus. Est-ce qu'après les signes et les miracles, ce qu'on dit de Christ est authentique? Est-ce que cela est cohérent? Est-ce que cela rend témoignage de la personne de Christ? Et est-ce que cela glorifie Christ? Parce qu'en matière de miracles, il y a de faux miracles. Mais en matière de message, il faut que Christ soit toujours au centre. On ne peut pas tronquer un message aussi facilement. Aujourd'hui, malheureusement, d'aucuns pensent que parce qu'il y a des miracles, Jésus-Christ est là. Il y a des vrais miracles et il y a de faux miracles. Maintenant. Il y a toujours la photocopie quelque part. Oui, il y a toujours la photocopie quelque part. Maintenant, le ministère qui n'est pas de Dieu a ses caractéristiques. Le ministère qui est de Dieu aussi a ses caractéristiques. Je veux souligner 2 points ici, tout simplement. C'est vrai que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Mais à la lumière de la parole de Dieu, il y a quand même quelques indices qu'on peut faire ressortir pour aider un téléspectateur. Lorsqu'on arrive, par exemple, dans le livre des Actes, Actes chapitre 8, du verset 5 au verset 9, on se rend compte qu'en Samarie, il y avait un homme qui était dans cette ville, qui s'appelait, je crois, Simon, qui était magicien. La Bible dit que de passer tout de magie, il séduisait toute la ville. Au point où les gens n'arrivaient plus à faire la différence entre Dieu et le diable. Quand ils voyaient ces tours de magie, ils disaient, waouh, ça c'est la puissance de Dieu, la grande. Ils se disaient que c'était Dieu qui se manifestait, jusqu'à ce que Philippe arrive. Quand Philippe est arrivé, la différence était que les malades guérissaient, les choses se passaient. Et la ville a connu la joie. Mais quand ils étaient en présence de ce magicien, ils étaient tout le temps étonnés. Mais leur vie ne changeait pas.
Lorsque le ministère est authentique, qu'il est de Dieu, il étonne, mais derrière l'étonnement ou après l'étonnement, il y a le changement de vie, le changement de comportement, le changement d'attitude. C'est un ministère, quand il est de Dieu, il envoie la crainte dans le cœur des gens après le miracle. Au point où tout le monde cherche à se tourner vers Dieu. Mais lorsqu'on est étonné, on est tout le temps étonné, mais les vies ne changent pas, les vies sont les mêmes, il faut se poser des questions. Quand le peuple vit dans le péché, dans le désordre, alors qu'il y a tellement de miracles, tellement de signes, il faut faire attention. La deuxième des choses, c'est dans le livre de Actes, le chapitre 16, du verset 16 au verset 18. La Bible dit, Paul est arrivé dans une ville et puis une femme habitée d'un esprit de Python a commencé à crier, écoutez, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que Paul, exaspéré, se tourne et puis dit, esprit de Python, sors de là. Lorsque le ministère n'est pas de Dieu, vous verrez que l'opération est la même. C'est la même chose qui se répète. Mm-hmm. Il n'y a pas de variation. La même façon de faire du lundi au dimanche, c'est la même façon de faire. Pourquoi? Parce que ce qu'on a, le don qu'on a n'est pas de Dieu. On est allé acheter ce don-là. Et quand on achète le don, il faut l'exercer et ensuite aller rendre compte à celui d'avec qui on a acheté le don. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un abonnement. C'est tu finis de consommer, il faut aller payer. Et malheureusement, vous entendez toujours la même chose à ce niveau-là. Mm-hmm. Vous entendrez toujours la même chose. Vous entendrez toujours la même chose. Mais vous verrez que l'accent est mis sur l'argent. Mm-hmm. Parce qu'on doit aller satisfaire l'engagement qu'on a pris de l'autre côté. Mm-hmm. Et en fin de compte, quand un ministère de Dieu, vous allez le combattre, comme Gamaliel l'a dit. Vous allez le combattre, vous allez beau le combattre. Vous ne pourrez pas venir à bout de ce ministère-là. Et s'il n'est pas de Dieu, vous le combattrez, vous viendrez à bout de ce ministère-là. C'est pourquoi je vais profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un. Si un ministère est authentique, il ne faudrait pas se lever, prendre même le risque d'attaquer ce ministère-là. Parce que si tu attaques un ministère qui est de Dieu, c'est Dieu que tu attaques. Maintenant, si un ministère n'est pas de Dieu, que tu l'attaques aussi, bon, là je ne sais pas quoi te dire. Mais ce que je puis dire, aujourd'hui on constate trop de choses. Trop de choses dans les églises. On se lève, on critique les pasteurs par-ci, on fait ceci par-là, on fait ceci. Mais moi je te donne un conseil. Ne te lève pas pour attaquer un ministère parce que tu as quelque chose sur le cœur. S'il est de Dieu que tu l'attaques, tu seras en train de combattre Dieu. Et ça sera tes risques et périls. Désormais, fais attention, ne donne pas du crédit à tous les esprits que tu vois. Aie du discernement. Parce que je vais te dire, ton salut en dépend. Que Dieu nous bénisse et puis je sais qu'on sera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Merci, prophète Paul Israël, qui était là pour nous donner ses astuces, ses conseils sur ce thème très, 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 très évocateur pour nous, les chrétiens. J'espère que vous saurez l'utiliser à bon escient chez vous et dans votre vie chrétienne. Pour l'heure, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec l'évangéliste Diomondé et l'évangéliste Daniel. Eh bien, ils sont sur notre plateau au nom du ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes. Ils sont là pour annoncer un grand programme. Bonjour, évangéliste Daniel. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, évangéliste Diomondé. Bonjour, Bénédicte. Alors, avec vous, nous parlons d'un vaste programme de délivrance, de guérison et de restauration. Effectivement. D'accord, on vous écoute. Ce matin, bien-aimé, je voulais te dire bonjour au nom de l'autorité que Dieu a établie à la tête du ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes. Ce matin, je suis venu pour annoncer un vaste programme, un programme de délivrance. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que délivrons-nous de leurs liens, brisons leurs chaînes. Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations que tu traverses, des situations difficiles. C'est bien que tu es chrétien, mais il y a des situations que tu traverses que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des cas de maladie que tu traverses dans ta famille. Il arrive que même tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à utiliser ces diplômes-là. Ces diplômes n'arrivent pas à te servir. Tu as des finances. Tu es un homme d'affaires. Mais bien aimé, quand bien même que tu es un homme d'affaires, finalement, ce sont les affaires qui te font. Et bien aimé, c'est à cause de cela que Dieu a choisi des hommes de Dieu. Et Dieu a établi l'apôtre JNK pour que par son canal tu sois libéré. Et en cela, Dieu a permis que l'homme de Dieu, depuis cette semaine, organise un vaste programme qui va se tenir tous les mardis. Un programme au cours duquel tu vas recevoir la délivrance. La délivrance est importante. Il y a des situations que tu traverses. Si Dieu n'a pas point un homme de Dieu et que tu n'as pas croisé le Seigneur par le canal d'un homme de Dieu, ta situation va perdurer. C'est pour ça que Dieu a établi son serviteur. Et de par son canal, tu vas être libéré. Bien-aimé, viens à ce programme. Tous les mardis, Dieu veut utiliser son serviteur pour briser les chaînes qui te lient, pour te libérer de tout ce que tu as comme fardeau. Oui, il peut arriver que tu partes à des programmes
et rien ne se passe. Mais si un homme de Dieu est utilisé, tu vas voir que la situation va changer. D'accord, donc c'est ce mardi ce matin, à partir de... Oui, effectivement, tous les mardis à partir de 18h, nous vous invitons. D'accord, donc on va donner la parole à la sœur Danielle qui va donner la situation géographique de l'Église. Comme l'évangéliste Diomandé vient de le dire, bien-aimé, je voudrais t'inviter au temple du possible qui est situé à Yopougon. Après le troisième pont, tu descends, il y a une société qui s'appelle Yoplay. Tu descends là et en face, l'église est là. Ok, on va donner les contacts pour finir. Le 78 22 17 17 et le 85 85 90 97. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste Danielle et l'évangéliste Diomandé, qui étaient là au nom du ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes, pour annoncer ce programme de délivrance, de guérison et de restauration tous les mardis à partir de... On m'a donné l'heure? À partir de 18h. De 18h. Les contacts sont au 18 22 17 17, le 85 85 90 90 17, le 73 31 72 71. On va donner la parole à d'autres annonceurs qui vont s'installer juste après ce jingle. Nous sommes avec la prophétesse Sarah Niava Shekina. Elle est là au nom de Mifold. Elle est là pour annoncer une explosion du surnaturel. Bonjour prophétesse. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Dimbokro? Vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose de fort, quelque chose de grand. Dieu, comme ça, s'est déplacé. Il a décidé de déposer ses bagages à Dimbokro cette année et à deux dates qui sont des dates très, 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 très fortes et vraiment... C'est pour ça que nous sommes là, encore sur ce plateau, pour lancer un appel encore à la population de Dimbokro, pour parler à mes frères, pour parler à mes sœurs. Celle qui était dans le foyer, dont on a chassé parce qu'elle n'a pas d'enfant, pour parler à un frère qui allait à l'école, qui a eu ses diplômes, qui n'a pas de travail, qui souffre, pour parler à un frère de Dimbokro qui s'est déplacé à Yamsokro pour aller faire des champs, qui a souffert, qui jusque-là n'a pas encore pu manger de son produit. Il est l'heure, c'est une heure pour récupérer ce qui a été perdu, c'est une heure pour reprendre ce qui a été pris et c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que je lance l'appel à tous les enfants de Dimbokro et je lance en même temps l'appel à toute personne qui est en train de regarder cette émission, à toute personne qui est en train de m'entendre à ce moment. Si Dieu a permis que tu n'as pas zappé ailleurs et que tu es sur la chaîne des bénis, c'est parce que le Seigneur aussi a quelque chose pour toi à ce programme et ce programme va se produire le 5 du 5, je veux dire, au 6 avril, précisément à Dimbokro. Et les heures sont les suivantes, à partir de 18h jusqu'à 23h. Je veux dire que Dieu va se manifester. Dieu va agir dans la vie d'un Abba. D'accord. Et qui seront les orateurs principaux? Et les orateurs seront le révérend Paulet, que nous connaissons, qui n'est plus à présenter. Un homme que Dieu utilise vraiment dans le surnaturel. L'évangéliste Kofi, que Dieu utilise aussi puissamment, vraiment. Dieu va se manifester, Dieu va changer la destinée de quelqu'un. D'accord. Dieu va faire quelque chose. Donc ce sera à Dimbokro ou exactement? Ça va se passer au foyer des jeunes. Au foyer des jeunes de Dimbokro. Et c'est là que les choses vont se produire, des choses merveilleuses, des choses surnaturelles vont se produire, des choses qui vont dépasser l'entendement d'un Abba. Un Abba qui a duré, qui est endurci, qui ne sait pas, qui entend que Jésus fait des miracles, qui ne croit pas. C'est l'heure pour lui de se déplacer. Parce que c'est une nuit à Gabaon que quelque chose s'est passé. Oui, dans la vie de l'homme de Dieu. Donc, c'est deux nuits. Je vais dire que c'est explosif parce que nous avons deux nuits pour que quelque chose se passe. Nous avons deux nuits pour que Dieu change la destinée de quelqu'un. Nous avons deux nuits pour que Dieu produise quelque chose que la terre en bas n'a pas encore vu. Et je crois en ce Dieu-là, je crois qu'il est fidèle. Il va puissamment se manifester au travers de ses serviteurs qui vont crier à Dieu pour ce peuple qui en a besoin. On va finir avec les contacts. Les contacts sont les suivants, le 57, 57, 60, 57, le 09, le 26, 94, le 54. D'accord. Merci beaucoup, prophétesse Sarah Niava Shekina, qui était là pour annoncer cette explosion du surnaturel à Dimbokro les 5 et 6 avril 2018. Les contacts 57, 57, 60, 57 et le 09, 26, 94, 54 va permettre à un autre annonceur de s'installer juste après ce jingle.
Nous sommes avec la sœur Cathy Estelle Soulange. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et avec elle, eh bien, nous parlons de cette spéciale tempête de prière. Bonjour sœur Soulange. Bonjour. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, de quoi est-il question exactement à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon? Oui. Merci déjà de nous accorder le plateau. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un moment assez important, un moment assez spécial, qui est la tempête de prière. Aujourd'hui, la tempête de prière, c'est des portes du côté de Yopougon, permettre à toutes les personnes habitant de Yopougon et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire d'être présents à ce moment. Et à ce moment, le Seigneur va faire de grandes choses par le canal de son serviteur, le révérend pasteur Sam Manté. Et nous invitons toute la population de Yopougon à être présents à ce moment. Parce que nous venons vraiment pour posséder notre année 2019. Nous venons pour être délivrés, pour vraiment permettre à ce que le Seigneur puisse créer des déblocages dans notre vie. Donc c'est pour ça que nous lançons cet appel et nous invitons toute la population de Yopougon, tous ceux qui me suivent en ce moment et qui sont sur cette chaîne, j'invite toutes les personnes vraiment à participer à ce programme qui se tiendra toujours du côté d'Astoria Palace, c'est-à-dire à l'esplanade de l'hôtel Astoria Palace, à partir de 18h jusqu'à 22h. Nous invitons toute la Côte d'Ivoire à ce programme qui est très important et nous venons vraiment pour soumettre nos problèmes à Dieu afin que cette année soit une année de lumière, pour que notre lumière puisse briller au travers du canal de son serviteur qu'il a décidé, qu'il a placé pour que nos bénédictions soient de hauteur. D'accord. Et cet homme de Dieu qui est-ce? Oui, c'est le révérend pasteur Sam Manté qui d'ailleurs n'est plus à présenter, un homme de Dieu qui est oint par la parole de Dieu, qui viendra nous apporter un enseignement de taille. Et c'est pour cela que nous invitons toutes les personnes à être présentes à ce programme. D'accord. On va donner les contacts. Oui, les contacts, nous avons le 56 56 60 40 et enfin le 08 08 81 99. Merci, sœur Cathy Estelle Soulange, qui était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour annoncer cette spéciale tempête de prière qui aura lieu le vendredi 12 avril 2019 au complexe hôtelier Astoria Palace. Les contacts 56 56 60 40, le 08 00 81 99. D'autres annonceurs s'installent juste après ceci. La sœur Arnaude Assé est sur notre plateau. Elle est là au nom de la cellule Victoire. Et avec elle, nous parlons de la soirée de Victoire. Bonjour, sœur Arnaude. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. Alors, la soirée de Victoire, comment cela va se passer? La soirée de Victoire, d'abord, je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce d'être là ce matin. Je bénis la vie de notre père spirituel, le prophète Raymond Palinfo, ainsi que de son épouse, sans oublier tous les téléspectateurs et toute l'équipe de Béni TV. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis là pour parler de la soirée de Victoire. Nous sommes à notre troisième soirée de Victoire, donc je peux dire soirée de Victoire à 3. Mm-hmm. Pendant les deux premières soirées, c'est-à-dire les deux vendredis qui sont passés, nous avons été enseignés sur un thème qui est prise en otage de Jézabel. Mm-hmm. Jézabel qui est considérée dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, comme une sorcière qui a maltraité les enfants de Dieu, les prophètes ont été tués par cette sorcière-là. Donc, je peux rapidement dire que Jézabel, dans notre temps actuel, c'est tous les sorciers, tous les esprits humains de la sorcellerie qui travaillent contre nos vies. Les enfants de Dieu essaient d'avancer. Ils font 2 pas, 3 pas. Mais cet esprit ou ces sorciers-là les tirent en arrière, ils font 3, 4, 5 pas. Ils n'arrivent pas à se... On n'arrive pas, parce que je vais me mettre aussi dans le cas, on n'arrive pas à progresser comme on le veut, parce que Jézabel travaille dans notre vie. À cette soirée, Dieu nous fera du bien. Vous savez, dans le livre de Apocalypse 17, verset 14, la Bible nous dit qu'ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les élus, en plus des élus, les appelés, les fidèles qui sont avec lui, combattront aussi et auront la victoire. D'accord, donc c'est pour ce vendredi 22 mars 2019. Exactement. À l'espace Arche. C'est... L'espace Arche qui est situé entre le 22e et le carrefour Mahou. D'accord. L'espace Arche n'est pas loin. Donc c'est à Cocody-Engrais. Oui, Cocody-Engrais. D'accord, voilà. On va donner le contexte. Je donne rapidement les contacts 07 21 80 77. D'accord. On va donner aussi le nom de l'orateur principal. Oui, c'est le prophète Raymond Palinfo. Mm-hmm. D'accord, c'est très important de le souligner. Le prophète Raymond Palinfo. Mais je voudrais dire à quelqu'un aussi qui nous écoute
Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui vit des situations difficiles, il est temps de te donner au Seigneur parce que lui seul est capable de te délivrer des liens de la sorcellerie. D'accord. Merci beaucoup, Sœur Arnaude Assé, qui était là au nom de la cellule Victoire pour annoncer cette soirée de victoire qui aura lieu ce vendredi 22 mars 2019 à l'espace Arche. Aux deux plateaux, pardon, c'est André Mahou, voilà. Le contact 07 21 80 77. Vous êtes tous invités. Alors, nous passons maintenant à d'autres annonceurs. Nous sommes avec des femmes de valeur sur notre plateau, à savoir Marina Kwasi et Ruth Kofi, la présidente du MIFEV, entendu par là, ministère d'intercession des femmes de valeur. Bonjour Ruth. Bonjour. Comment Bénédicte, ça va? Ça va, très bien. Bonjour ouais, Marina. Merci. Bonjour Bénédicte. Alors avec vous, nous parlons de la 9e édition du MIFEV, hein, c'est ça? Bien sûr. C'est pour très bientôt. Oui, voilà. D'accord, on va commencer avec Marina. Shalom à toutes les femmes qui nous regardent en ce moment, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes là au nom du MIFEV. Le MIFEV qui est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Nous revenons encore pour vous appeler à la prière, pour vous appeler au réveil. Toutes les femmes sont concernées par ce programme. Il s'agit de venir intercéder pour le foyer. Le MIFEV est un ministère qui s'occupe que des foyers. Situation matrimoniale, femme, que tu sois mariée, divorcée, fiancée, en quête de l'homme de ta vie, ou peu importe la situation matrimoniale dans laquelle tu te trouves, tu es concernée par ce moment. Nous venons faire quoi? Nous venons être enseignées. Être enseignées pour être des femmes de valeur, pour être des femmes de bénédiction pour le mari, pour les enfants et pour la société. Pour être des femmes qui ne dorment pas et voient le diable jouer soleil mollet dans le foyer. Alors nous t'invitons pour venir intercéder avec nous, pour venir prier, pour venir arracher ce qui vous appartient. Vous êtes là, vous tournez, vous souffrez depuis, vous n'arrivez pas à savoir quel est l'homme que Dieu a choisi. Venez faire votre choix par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Le thème de cette édition se dénomme « Agar doit partir ». Toutes celles qui lisent la Bible connaissent Agar. Femme, tu connais ton Agar. Même si elle n'est pas encore venue dans ton foyer, elle doit partir. Tu dois commencer à prier pour ne même pas qu'elle arrive dans ton foyer. Alors nous t'invitons, ça va se passer le 30 de ce mois, à partir de 14h00 jusqu'à 18h, et ça sera du côté de Angré, à l'espace de la parole. D'accord, on va terminer avec la présidente Ruth Kofi. Moi je pense que Marina a vraiment, tellement, elle a tout dit, qu'on va juste compléter avec les contacts et puis lancer l'appel à toutes ces femmes-là qui sont à l'écoute, qui souffrent dans leur foyer. Alors moi je vais juste dire à une femme qui me suit ce midi, tu sais, on parle toujours. Mais ton problème, c'est que tu n'écoutes jamais, en fait. Tu n'écoutes pas. Mais tu n'écoutes pas et tu passes tout ton temps à pleurer. Actuellement, où on te parle, là, dans le quartier, on t'a nommé ministère des pleurs. Tu es la présidente du ministère des pleurs. Tu pleures et rien ne change. Tu te promènes avec le nom du monsieur dans tout le quartier et rien ne change. Ça peut te dire, maman, que bavardage ne fait pas changer un homme. Les pleurs ne font pas changer un homme. Le marabout que tu allais consulter pour basser le monsieur là, il ne va rien changer à la vie de cet homme. Je veux t'inviter. Nous, on a un seul marabout. Nous, on a un seul Dieu. Nous, on a une seule personne sur qui nous comptons pour stabiliser notre foyer, pour nous donner un foyer qui n'est suivi d'aucun chagrin. Si tu pleures actuellement, si tu traverses des moments difficiles, si tu n'es même pas encore marié parce que toi, on te fiance, on te refiance, on te refiance, c'est devenu la mode pour toi. Tu sautes ici, tu sautes ici, tu sautes ici, ce n'est pas normal. Il est l'heure qu'une femme se fâche. Il est l'heure qu'une femme se révolte. Il est l'heure qu'une femme dise trop, c'est trop, ça suffit. Le mariage, c'est aussi pour toi. Lève-toi le 30 mars de 14h à 18h du côté de l'espace de la parole. Quelque chose va se passer dans ta vie au travers de la prière et c'est gratuit. Un seul contact, 58 18 92 17. 58 18 92 17. Si tu rencontres ce Jésus et que tu continues de pleurer, c'est que je n'ai pas prêché le vrai Jésus. On est au 30 mars. Merci Ruth Kofi et Marina Kwasi d'être venues sur notre plateau afin d'annoncer cette 9e édition du MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur. Rendez-vous le 30 mars prochain à l'espace La Parole Cocosi Angré, 8e tranche, de 14h à 18h. Le contact 58 18 92 17. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de vous présenter ce magazine. Demain, vous aurez affaire à Juste les Blessings pour un nouveau numéro de cette émission. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bon appétit si vous êtes à table et notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Thank you.
Je ne serai jamais confus.